Cameroon Info, c'est votre phare dans l'océan tumultueux de l'information. Ici, les faits sont sacrés et chaque reportage est une œuvre de précision et de respect. Notre ambition est de toucher votre cœur tout en stimulant votre esprit, de vous offrir une compréhension profonde des dynamiques camerounaises et de vous inspirer à voir le monde avec des yeux neufs. Les titres du jour sont les suivants 1 1 milliard, Paul Biya surprend Samuel Eto'o. 2 Un point, c'est tout. La sortie qui va encore coûter cher à Etoho. Nous croyons en l'importance des voix locales et en la puissance des récits personnels. Chaque reportage est une fenêtre ouverte sur des vies, des défis et des triomphes. En donnant une tribune à ceux qui ne sont souvent pas entendus, nous espérons susciter non seulement l'intérêt, mais aussi l'empathie et l'action. Nous vous invitons à vous abonner à notre chaîne pour ne rien manquer des dernières nouvelles et analyses approfondies. Ensemble, Restons informés et engagés pour un Cameroun mieux éclairé. Cameroun Info, informé, éclairé, éduqué. Découvrons ensemble les nouvelles qui font l'actualité au Cameroun. Un milliard, Paul Biya surprend Samuel Eto'o. Nous abordons une nouvelle qui fait sensation dans le paysage sportif camerounais. Le président Paul Biya vient de prendre une décision qui a laissé plus d'un observateur perplexe et même surprise, Samuel Eto'o. Le président de la Fédération camerounaise de football, Feukafou. Avec un financement massif en faveur de l'équipe nationale féminine U20 pour leur participation à la Coupe du Monde en Colombie, cette décision soulève de nombreuses interrogations, notamment sur la gestion des fonds publics et les priorités sportives du Cameroun. Pourquoi une telle générosité envers les Lyons U20 et non les Lions Indon Partie 1 Le financement présidentiel pour les Lyon U20. La décision du gouvernement camerounais de débloquer une enveloppe considérable de plus de 824 millions de CFA pour soutenir les Lyon U-20 dans leur quête de gloire mondiale a surpris beaucoup de monde. Selon une correspondance officielle du secrétaire général de la présidence, ce financement se décompose en deux tranches distinctes. Une première tranche ferme de 440 millions de est destinée à couvrir les frais de préparation et de participation jusqu'au huitième de finale. La deuxième tranche, conditionnel, s'élève à près de 384 millions fros CFA et sera débloqué en fonction des performances de l'équipe au-delà de ses huitièmes de finale. Ce soutien financier montre l'engagement du Cameroun envers le développement du football féminin, mais il est aussi le reflet d'une stratégie présidentielle qui pourra. Partie 2, un contexte de tension au sein du football camerounais. Cette décision présidentielle intervient dans un contexte de tension croissante entre la feu et les autorités gouvernementales. Alors que les Lyon U20 bénéficient d'un soutien sans précédent, la FECAFU se voit refuser la gestion des fonds destinés à l'équipe nationale masculine, les Lions Indomptables. Ce contraste est non seulement paradoxal mais également révélateur d'un conflit latent entre la fédération dirigée par Samuel Eto'o et le gouvernement camerounais. Certains y voient une tentative de contrôler la FUCAFU, voire de limiter son autonomie. Pourquoi une telle disparité dans le traitement des différentes équipes nationales? Est-ce un signal envoyé à Samuel Eto'o ou une simple question de priorité sportive Ce double standard est au cœur des débats actuels et pourrait avoir des répercussions sur l'avenir du football camerounais. Partie 3, les répercussions pour Samuel Eto'o et la Fecafo. Samuel Eto'o, ancien capitaine des Lions indomptables et icône du football mondial, se retrouve aujourd'hui dans une position délicate. En tant que président de la Fecafo. Il doit jongler entre ses responsabilités administratives et les attentes élevées de la population camerounaise. Cette situation pourrait affaiblir sa position au sein de la fédération et ternir son image de leader. D'un côté, il doit gérer la frustration des Lions Indomptables qui voient leur financement contrôlé de près par le gouvernement, et de l'autre, il doit justifier le traitement de faveur accordé aux Lions U20. Ce contraste pose des questions sur la cohérence de la politique sportive du pays et sur la réelle Partie 4, les enjeux et les implications pour le futur. Cette affaire pourrait être un tournant décisif pour le football camerounais. D'un côté, elle montre la volonté du président Biya de promouvoir le football féminin, une démarche louable qui pourrait inspirer d'autres nations africaines. De l'autre, elle expose les fragilités de la FECAFOOT sous la directie. En somme, la décision de Paul Biya de financer généreusement les Lyon U20 pour la Coupe du Monde en Colombie est un geste fort, mais il suscite également des interrogations. Pourquoi une telle priorité donnée au football féminin alors que les Lions indomptables sont placés sous une surveillance financière stricte Quels sont les enjeux politiques Un point c'est tout. La sortie qui va encore coûter cher à Etoho. Nous revenons sur un sujet qui fait grand bruit dans le monde du football camerounais. Les lions indomptables ont concédé un match nul décevant contre le Zimbabwe lors de la deuxième journée des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations (CAN) 2025. Ce résultat a coûté cher à l'équipe, leur faisant perdre la tête du groupe J au profit du Kenya. Mais ce qui retient encore plus l'attention, c'est la réaction de la cafou, avec un commentaire sur leur page qui risque de faire jaser. Une simple phrase, un point, c'est tout. Que cache cette déclaration quels en sont les impacts pour Samuel Eto'o et l'équipe nationale? Plongeons ensemble dans cette affaire qui secoue le football camerounais. Partie 1, un match décevant pour les Lions Indomptables. Le match qui s'est déroulé au stade Nelson Mandela à Kampala aurait dû être une opportunité pour les Lions Indomptables de consolider leur position en tête du groupe J. Malheureusement, ce n'était pas le cas. Après un match ennuyeux et sans éclat, le Cameroun et le Zimbabwe se sont quittés sur un score nul et vierge, laissant les supporters sur leur fin. Les Lions, sous la direction de l'entraîneur Marc Brie, n'ont pas su trouver la faille dans la défense adverse, malgré une deuxième mi-temps plus animée. Ce résultat est d'autant plus difficile à digérer que le Kenya, dans le même temps, a réussi à s'imposer en Namibie, prenant ainsi la tête du groupe grâce à une meilleure différence de but. Partie 2 la réaction de la feu un message qui fait réagir c'est le commentaire laconique posté par la feu sur sa page qui a véritablement enflammé les discussions un point c'est tout simple mais lourd de sous entendu ce message a été perçu par beaucoup comme une critique à peine voilée de la performance des lions indomptables que voulait dire la feu par cette déclaration est-ce une manière de pointer du doigt les choix de l'entraîneur marc brie ou bien est-ce une pression supplémentaire exercée sur samuel et le président de la fédération pour qu'il prenne des mesures drastiques face à cette contre-performance ce message soulève bien des questions et pourrait avoir des répercussions sur la manière dont la fédération gère les futures échéances des lions partie 3 les conséquences pour Samuel Etto et les lions indomptables Samuel Etto en tant que président de la FECAFU, se retrouve encore une fois au centre des critiques le poids des attentes sur ses épaules est immense, et chaque contre-performance des lions indomptables se répercute directement sur lui. Ce match nul face au Zimbabwe pourrait bien être un tournant dans sa gestion de la fédération. Certains observateurs du football camerounais n'hésitent pas à remettre en question ses choix et sa stratégie globale pour le développement de l'équipe nationale. Les prochaines semaines seront cruciales pour Etoho qui devra non seulement gérer la pression médiatique, mais aussi s'assurer que les Lions retrouvent leur forme avant leur rencontre décisive contre le Kenya le 7 octobre prochain. Partie 4 Un avenir incertain pour les Lions Indomptables Avec ce match nul, les Lions Indomptables se retrouvent désormais en position de dauphin dans le groupe J, une situation inconfortable qui met en péril leur qualification pour la CAN 2025. La rencontre à venir contre le Kenya sera déterminante pour la suite des éliminatoires. Les joueurs devront montrer plus de détermination, de rigueur, et surtout, d'efficacité s'ils veulent espérer se qualifier. Ce match contre le Kenya, qui se jouera à domicile, sera le véritable test pour évaluer la capacité de cette équipe à rebondir après une contre-performance. Les choix de Marc Brie seront scrutés à la loupe, tout comme les décisions stratégiques prises par Samuel Etoho en tant que président de la FECAFU. Conclusion. En somme, cette sortie médiatique de la feu avec un simple un point c'est tout, a révélé les tensions sous-jacentes au sein du football camerounais. Le match nul face au Zimbabwe est plus qu'un simple revers sur le terrain, il est le reflet des défis que Samuel Eto'o doit relever en tant que leader du football national. Alors que les lions indomptables se préparent pour leur prochaine rencontre cruciale contre le Kenya, les attentes sont grandes, et les enjeux, encore plus élevés. Les supporters camerounais espèrent un réveil de leurs lions, et seul le temps et les résultats à venir diront si l'équipe sera à la hauteur de ses ambitions. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. Si vous avez trouvé cette analyse intéressante, n'oubliez pas de liker, de partager, et surtout de vous abonner à notre chaîne pour ne rien manquer.